bikinis on top. Sun-kissed skin so hot. We'll melt your popsicle. À qui vous avez affaire? Ah, là, là, qu'il y a un voleur. On fait plus un véhicule. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Eh oui, désolé, mon vieux, mais on est tous passés par là. On est là. J'aurais dû m'habiller plus flashy, voilà. Adieu, le stripteaseur. Les filles, venez par là. J'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Oui, on sait, les stripteaseurs sont fait la malle. Oui, en plus, je venais juste de m'épiler la touffe. Les filles, l'heure est grave. Mais le son de l'heure a toujours été grave. Mais oui, imagine si ça faisait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Oui, je vais toujours parler grave comme ça. Tic-tac, 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 il est l'heure d'aller se coucher. Oh, bonne nuit, Destinée. Bonne nuit, Stacy. Oh, je suis en train de vous parler. Et nous sommes en train de t'écouter, Johanna. Votre père est un escroc. Il vient de se faire arrêter car il a fait disparaître beaucoup d'argent de sa société. Papa est donc un... magicien ? Oh, waouh ! Je vais péter une durite. C'est quoi ça ? Un nouveau gaz ? Vous ne verrez plus votre père. Et je crois que vous êtes ruiné. Ruiné ? Je dois encore m'occuper de certains papiers avant de partir. Tenez, mon ancienne voiture m'appartenait avant que je rencontre votre père, elle n'a pas encore été saisie. C'est mon cadeau d'adieu pour vous. Ah, trop aimable. Mais où on va dormir, nous? Prenez votre envol, les filles. Vous avez mon 06 en cas de besoin. Prendre notre envol, mais elle est débile, celle-là, on n'a pas d'aile. Mais elle a jamais été trop maligne, tu sais, hein. Thank you.
Désolée, il n'y avait que ça dans le coffre. Moi qui ai des intestins fragiles, ça va être Bagdad dans mon string dans peu de temps. Mais qu'est-ce qu'on va devenir, destinée? Des actrices pornographiques, ça ne se bouge pas. On va devoir trouver du travail, limiter nos journées shopping, manger autre chose que du caviar. Mais on y arrivera. Mais qu'est-ce que tu fais? Je me pends et je suis à toi. On va devoir être courageuse. Mais nous, on y arrivera. Tiens. Bon anniversaire, Stacy. Oh, t'es trop chou, toi. Je suis belle. Bon anniversaire à toi aussi. Allez. Au dodo. Bonne nuit, destinée. Bonne nuit, Stacy. Bonjour, monsieur, dame. Hein? Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Que faites-vous là, une heure matinale? Bonjour, monsieur l'agent. Nous faisions juste du camping. Ah, c'est les classes, ce raid, Je vais vous demander de souffler dans l'embout, s'il vous plaît. Puisque c'est vous qui le demandez. Je comprends pas! Je fais tout ce qu'il m'a demandé! Ah, il est en train de m'agrandir le nœud de l'oreille là! Taisez-vous! Mais c'est pas facile de marcher comme ça! Ah, oh, destinée! Des salles de moins 50% sur la nouvelle collection! Où ça? Vos 18 ans, qu'on puisse faire des galipettes ensemble. Excusez-moi. Merde, collé. C'est vous qui venez pour l'offre d'emploi. Nous, non. Cadeau du ciel, oui, c'est bien nous. Ah bon, t'es sérieuse? Mais oui. Je comprends plus rien du tout, moi. Très bien, alors je suppose que vous, c'est pour le poste de vendeuse, c'est ça? Et vous, pour le poste de vigile. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Tu veux un coup de tatane? Oui, c'est ça, c'est ça. Soit, elle a l'air d'avoir de l'expérience. Comment vous savez? Oh, vous connaissez Rodriguez, c'est ça? Ah, il vous a tout raconté, hein? J'étais mineure à cette époque, hein, mais je vois pas ce que cette question va faire là. Oui, bien sûr. Vous avez un CV, peut-être? CV? C'est les initiales de Corvelu. Et non, certainement pas, on n'a pas de CV, non? Et je n'aime pas trop vos insinuations racistes, là! Elle n'aime pas trop vos insinuations racistes, là!
Bon, écoutez, ne perdons pas plus notre temps. Je n'ai pas un instant à perdre avec des bécasses de bas étage. Oh, la destinée, ça monte là. Oh, ça monte. Mais qu'est-ce qui monte? Oh, ça arrive, ça arrive. Oh, ça va arriver, ça va arriver. Je vais faire ma paix. Elle va faire sa paix. Mais qu'est-ce qui arrive? Une crise de pétasse furieuse. Moi, Stacy Melton, sang royal depuis maintenant 49 générations, fille du célèbre Bernard Melton, je ne vous permets pas de lever le regard une fois de plus sur moi, comme si j'étais un sous-fifre. Sous-fifre? Oui, sous-fifre. Alors, je vous préviens, espèce de petite caissière de Banigo. Banigo, hein? Oui, mais c'est ce que je viens de dire, hein. Ne vous avisez plus jamais de me parler comme ça, sinon je rachète votre magasin et je le transforme en frais pour chinois. Sur ce, je m'en vais comme une princesse. Mais nous aussi on en a, alors dégage, sale mioche. Destinée, où est passé ton sens de l'humanité? Sous mes poils, qui commencent déjà à repousser d'ailleurs. Que veux-tu, ma petite? Mon petit frère a... Bonjour, belle demoiselle. A coincé sa chaussure dans la grille là-bas. Pourriez-vous nous aider à la débloquer? Je vous en serai éternellement reconnaissant. Je m'en fiche, moi, de ta reconnaissance. Moi, je veux du blé. Destinée! Bien sûr, mes anges. Tenez, restez là et veillez sur mes affaires. Cette chaussure, tu la vois, toi? Oh, les sales mioches! Oh, les... Si je vous attrape un de ces jours, vous allez me payer cher! Oui, mais tant pis, ça va être délicat, hein. Compose le 17, c'est le numéro de la police! Mais je peux pas, Stacy! Les numéros s'arrêtent au 9! Mais Destinée, on est au fond du trou! On est ruinés! Stacy! Regarde! Regarde! C'est le manoir, il est déjà en vente? Déjà? Non mais... 10 millions, mais comment on va faire pour le racheter? À chaque problème, sa solution. Comment faisait papa quand il voulait du cash? Oh mais oui, la banque! Et nous sommes juste devant... Un spa! Mais non! Une banque! Nous sommes sauvés! Bon, si je comprends bien votre demande, il vous faut 10 500 000 euros pour acheter un manoir plus extra. Et vous n'avez ni carte bleue, ni numéro de compte. Et il vous les faut immédiatement. C'est les collègues qui me font un poisson d'avril, c'est ça? Un poisson? Oh, mais c'est Maurice qui me fait la blague, allez, dites-le. C'est qui celui-là? Ah non, puis ils vous ont bien gratiné en plus, ah, quel bout en train. Mais on prend pas le train, nous! On veut de la thune, regardez pour le manoir, là! Oui, c'est ça. Bon, j'ai un vrai rendez-vous qui m'attend, donc si vous voulez bien, vous ferez la bise à Maurice et vous lui direz qu'il nous manque beaucoup depuis son départ en retraite. Quel garnement. Bon, bah au moins, elle aura passé un bon moment, hein. Só que agora vou escolher. Passou da boa mulher. Yeah. Jaycee Dyer. Yeah. Mais pauvre chérie, livrée à elle-même. C'est le 65e SMS SOS que m'envoie. Ma chérie, si t'as mauvaise conscience, fais de l'humanitaire. Ça te calmera. Et pourquoi pas sauver les Cambodgiens tant qu'on y est? Ah non, mais moi, désolée, ça devient trop gênant de les côtoyer. Hein. C'est vrai que c'est un peu égoïste de leur part de nous mêler à leurs histoires quand même. Tu parles d'amis. C'est clair, ignorons-les et occupons-nous plutôt de nos problèmes perso. Hein. Je prends le blond, tu prends le roux. Ok. Où est l'argent? Puisque je vous dis que c'est une terrible erreur. Un peu plus de citron, s'il vous plaît. Ce sont vos comptes. Vous devriez savoir.
Je vous dis que c'est une terrible erreur. Brumisateur, s'il vous plaît. Mon oncle Mel là ou quoi? Oui, nous sommes toujours à l'interrogatoire. Oui, encore. Oui, je lui demande. Mon patron voudrait savoir si vous serez tenté par un mini-golf. J'y cours. Tiens, Henri, les dossiers à trier. Bon courage. Vide merde. J'ai faim. Oh, tiens bon, destiné encore 80 ans à tenir comme ça. Destiné, on était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi. Toi et moi, destinés, inutile de fuir ou de lutter. C'est écrit dans notre destinée, tu ne pourras pas y échapper. C'est gravé, l'avenir, malgré nous doit toujours devenir tous nos désirs d'amour inespérés, imaginés, inavoués. Dans la vie, aucun jour n'est pareil. Attends le soleil impatiemment, éperdument, passionnément. Destiné. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Je... Laissez-moi vous inviter au restaurant pour me faire pardonner. Mais comment vous savez que j'adore le restaurant? C'est un petit oiseau qui me l'a dit. Hein? Tenez. Voici mon numéro. Appelez-moi vite. Destiné, encore une fois le cœur déchiré. Je suis un clown démaquillé. Le grand rideau vient de se... Voilà. Tu vois pas que je tourne un clip là? Mais il y a les mioches. Oh, oh putain, je vais me les faire. Suivons-les vite. Alors, vous avez tout distribué? Ouais, j'en peux plus, je suis claquée. On a fait des heureux ce soir. On a pensé à vous, on vous a ramené du pâté. Du pâté? C'est Noël ou quoi? Vu la cagnotte qu'on a pêchée aux deux de Greluche... Allez bouffons, oh, je crève la dalle. Faites péter le pâté! Vous, comment avez-vous osé? Oh oh... Rendez-nous notre blé, les sept nains! Sinon moi aussi je veux un PF à mon tour! Oh non! Oh non! Mes Gucci! Mais on l'a plus, votre fric. Ben où il est? Non mais c'est une question de vie ou de mort là! Hein? Ah pauvre ta fille, tu vas mourir! Ben non, et toi? Non. Oh, oh voilà. Bon, où il est? Ils l'ont distribué à des gens qui en ont beaucoup plus besoin que vous. Alors ça, tu vois, ça m'étonnerait. On est où là? Ça pue! Nous sommes chez nous. C'est vrai que c'est pas un palace, mais c'est chez nous. Alors retournez dans votre palais, péter des paillettes. Je pète pas de paillettes moi. Où sont vos parents? Ils sont morts ou nous ont abandonnés. Mais il y a des institutions qui existent pour des enfants... comme vous. Comme nous? On n'a pas envie d'attendre derrière une vitrine que quelqu'un nous choisisse. Mais nous aussi on a été abandonnés. Chut. Alors nous vivons notre vie, à notre façon. En volant? Oui, en volant. Et en redistribuant aux autres enfants qui en ont besoin. Oh, c'est tellement triste, je crois que je vais pleurer, destinée. Oh, moi aussi, merci. Bon, écoutez, vous savez quoi? Gardez l'argent. J'ai toujours adoré faire du caritatif. Mais bon, en même temps, on n'a pas le choix. Bon, sur ce, on va vous laisser, hein? Tranquillement. Ah non, c'est toi, hein? À pierre, feuille, ciseaux. D'accord. Un, deux, trois! Oh, la loose. Allez. Mes chers et tendres amis, que diriez-vous de nous inviter dans votre humble demeure qui sent le crottin de cheval et le cadavre? Ben, je n'y vois pas d'objection. Tout le monde est OK? Considérons ça comme un camping
épique. Oui, ou comme une épreuve à la Koh-Lanta, mais sans les caméras, ni les médias. Bon, où est la salle de bain? Donc en fait, vous êtes autant ruinés que nous. Oui, nous sommes ruinés comme des Somaliens. Votre père n'a pas d'économie cachée, comme le font tous les bourges. Mais oui, Destinée. Le coffre-fort. Mais Stacy, nous avons plus accès au manoir. Seule une personne peut nous renseigner. J'espère qu'elle est encore là. Oui. Jaco, rassure-moi, Johanna est encore là. Je vais vous la chercher. Oui, mon papa. Quelle surprise! Vous ici! Johanna, t'es là! Ah ben oui, vous savez, les paperasses... Les quoi? Bref, nous avons trouvé la solution à notre problème! Votre père va être lâché? Ah non, ça on sait pas, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a un coffre-fort caché dans son bureau! Un coffre-fort? Vous avez le code? Hélas, non! Écoutez, filez à la prison lui demander et revenez vite! On peut pas prendre d'abord. Ah hein. Non, vous ne pouvez pas. C'est illégal. Illégal? Oui, si vous mettez un pied à l'intérieur, le FBI le saura illico. Comment il le saura? Il le saura parce qu'il y a un agent là-bas. Voilà, je suis désolée, je ne peux rien pour vous, les filles. Dans une prison. Oh, père. Que la vie est belle pour des gens honnêtes comme nous. Et qui ne préparent absolument rien du tout. Encore moins dans le dos du FBI. Mes amours de ma vie, moi, quel bonheur de vous voir ici. Mais vous me boudez? Les filles, ici c'est un parloir, on est obligé de parler. Sinon, vous allez vous retrouver enfermés pour outrage à un parloir. Un escroc, un roublard, à cause de toi, on est à la rue. Je suis humiliée. Et jamais on te le pardonnera. Mais je n'y suis pour rien, les filles. Ah, je préfère alors. Quelqu'un m'a piégé, mais qui? Il faut m'aider, les filles. C'est un complot. On va t'aider, Papounet, hein. Mais d'abord, donne-nous le code de ton coffre-fort. Chut! Parlez moins fort! Mais personne ne doit le savoir. Mais au courant de quoi? Fin de la visite. Et le code? Eh bien, bonne date d'anniversaire, les filles. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'était hier, notre anniversaire. Non, mais c'est ça, le code. Bonne date d'anniversaire, les filles. Stacy, tu es un génie. Voilà toute l'histoire. Nous n'avons plus qu'à y aller. Allons-y la nuit, ça sera plus sûr. J'espère que l'agent du FBI ne sera plus là. Ce soir, virée nocturne dans le manoir. Comment vous remercier les enfants? Vous nous le rendrez quand vous serez de nouveau riche, hein? Il est temps de mettre le plan à exécution. C'est à ce moment-là que... Que font ces deux grognasses? Il me faut ce code.
Mais vous avez déjà tout ramassé. On n'en a jamais assez. Rester avec ce vieux taré a trop duré. Vivement que l'histoire se tasse pour pouvoir enfin me barrer. Honolulu me semble être parfait. Ça va mal finir, comme d'habitude. La ferme, Jaco. Ces deux abrutis n'y verront que du feu. Madame, je peux retirer mes lunettes? J'ai du mal à voir dans l'obscurité. Dieu pour débroussailler. Non, gardez-les. Célébrons dignement nos deux ans, très cher. Que vous êtes galant. Mes ex-maris ne vous arrivaient pas à la cheville. Et c'est une façon de parler. Pour vous, je déplacerai des volcans, je soulèverai des lacs. Petit goujat. Petit ? Je suis la 8e fortune du monde, je vous rappelle. Champagne. Bon. Et vous faites quoi dans la vie ? Je travaille dans l'esthétique. Vous voulez dire que vous êtes esthéticienne ? Oh non, Burke ! Je travaille sur mon esthétique. D'accord. Eh bien moi, je suis dans le... Excusez-moi. Est-ce que ce plat est bien bio ? Pardon, vous disiez ? Oui, je disais que... Excusez-moi, vous avez quelque chose de coincé entre vos dents. Ah, oups ! Attendez, laissez-moi vous aider. Merci. Ah. Attention, je risquerais d'avoir une dent contre vous. Hein. Mais pourquoi je vous ai rien fait, moi ? Non, mais c'était une boutade. Une quoi ? Ah, j'y suis, vous faites de l'humour. Non. Oh, vous êtes si drôle. Bon, je disais que je suis avocat. C'est vous qui êtes très drôle. Comme si c'était possible d'être un légume, genre. Bon, et sinon, vos passions, hein ? Vous êtes plus dans l'économie, le droit ou la politique ? En ce moment, plutôt les économies, oui. Parfait, j'adore parler bourse. Oh, petit cochon. Dites-moi, que pensez-vous de l'inflation des prix en France ? Oh, vous savez, moi, je suis très sur les droits de l'homme, tous égaux, tout ça. Mais surtout en matière d'inflexion, hein. Ah oui, si on ne rééquilibre pas la balance commerciale, hein, il faut s'attendre à une terrible crise. Hein. Qu'en pensez-vous ? Je choisis l'appel à un ami. Vous êtes si drôle, si fraîche. Fraîche ? Je sais pas. Et vos mains sont si... poilues. Oui. Problème d'hormones. Je vais chercher ça dans le local du jardinier. Je reviens. Bon, ben, je vais me réveiller toute seule. Vous voyez quelque chose ? RAS de mon côté. Si, aujourd'hui, il y a 14h. Sois pas idiot, Tony ! Il est à peine 23h. À vous. Excusez-moi, pourriez-vous nous aider, s'il vous plaît ? Mais bien sûr, à quoi faire, ma jolie ? À vous kidnapper, trop tard ! C'est bon, étape suivante. Crois.
Tartiner, le code ne fonctionne pas, il ne veut que des chiffres. Ce n'était donc peut-être qu'un indice. Trouvons et vite. Waouh, c'est magnifique ici. Une ville princesse, je suis dingue. On a des choses à prendre là. Vous avez un sac. C'est quoi ce bruit? Que ça? Ah oui, sans dire une carte. Mais oui, comme une carte au trésor. Une carte au trésor? Ça doit vouloir dire qu'une seule chose. Ça cache un trésor. Mais c'est qui cette dame? On n'en a aucune idée. Mais si sa photo était dans le coffre-fort? C'est qu'il doit bien avoir une bonne raison. Regardez, il y a une adresse derrière. Oh, nous irons dès demain. Curieux, deux filles s'introduisent chez vous, et vous me dites que vous n'y êtes pour rien. Bah non. Vous auriez pas des olives, s'il vous plaît? Il va me rendre barge, complètement barge. Dis-moi tout de suite! Le mot magique? S'il vous plaît. Bah non. Bon, c'est par là, vous avez dit, c'est ça? Par là, hein? Oui. Laissez-moi me présenter à vous. Je suis Miranda,
Votre mère. Ah ça, ça m'étonnerait, hein, parce que papa nous a dit qu'elle était morte en héros lors de la Première Guerre mondiale. Oui. Cette femme est morte au péril de sa vie et en héros. Oh, le salaud. Il aura dit ça. Bon, elle est où cette Miranda, là? Mais c'est moi, Miranda. Je suis votre mère. Ah oui? Alors pourquoi nous avoir menti? Malheureusement, je ne suis pas la mère idéale. Votre père et moi avons compris qu'il fallait mieux vous laisser comme ça. Et puis, moi, je suis plutôt vodka que maman. Il voulait des enfants, je voulais du blé. Du blé? Mais vous êtes fermière? Non, mais pourquoi venir jusqu'à moi? Papa est en prison, nous n'avons plus rien. Oh, sacré Bernard. Maintenant, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous aider. Mon 9e ex-mari vient de me quitter. J'ai un nouveau plan, mais ça va pas être pour tout de suite. Bon, bah... Contente d'avoir fait votre connaissance, alors. Bon, il n'y a plus que 9 ans pour attendre l'âge légal. Revenez d'ici, là. Bon, bah merci, madame, votre mère. Très heureuse. Qui était-ce? Personne, personne. Laissez. Alors? Rien du tout. Juste notre mère cachée. Nous partons à la chasse au trésor, il n'y a rien à faire ici. Allez, filons, la fortune nous attend. C'est pas trop la honte? Bon, non, on s'y fait, hein? Bon, on doit y aller, on a... Bah oui, on a... Bisous! Oui. Ciao, bye bye! On s'en fout d'elle, venez! Oh non, mais super, quoi, je suis en train de dégueulasser mes loups moutons! On est encore loin. Non, que quelques mètres. Plus vite, Jaco. T'auras un sucre. Oh, merci, maîtresse. Il ne faut pas que ces gardes m'échappent. À moi, le trésor. Nous y sommes. Mais il n'y a rien du tout ici. Faut peut-être creuser. Tenez une pelle. Ah non. Oh, les seules pelles que j'ai, je les roule. On a compris, ça nous le fait. Qu'ils sont mignons. Ils comprennent vite, hein, cette main. Aïe, aïe, oh, vous allez au boulot. Mais la ferme, vous prenez ma pelle. Là, regardez, il y a quelque chose. Mais c'est quoi ça? Que personne ne bouge. Ou j'en tue un. Johanna, mais que fais-tu là? Reculez! Vous n'avez donc rien compris? C'est moi qui ai fait disparaître l'argent de votre père. Oh! Encore une magicienne! Et ce trésor sera à moi! On va tout dire à la police! Cela m'étonnerait. Les morts ne parlent pas. Oui, mais nous, nous sommes vivantes, hein, et tac! Pauvre Pégase! Ça? Mais qu'est-ce que c'est? Sa collection privée de films X. Ça glisse au pays des merveilles. Blanche Fesse et les Sept Mains. Peter et Elliot la cochonne. Régalez-vous, hein. Je vais tous vous... Ah, oh ah, j'ai meilleure conscience. Et moi alors? Quelle foi, une belle douce. Quel grand cœur. Nous sommes ruinés et remplis de films X. Papa, il est en prison et on n'a aucune preuve. Plus de mecs, plus de thunes. Il me reste juste ses bottes. C'est étrange. Le côté droit est plus serré que d'habitude. T'as peut-être grandi d'un pied, hein? Ça arrive. Ah, oh, mais tu m'étonnes, ça fait mal, ça, hein? C'est quoi, ça?
Ah bah tiens, ce sont les ordres de virement que votre belle-mère a effectués dans plusieurs autres pays. Oh, c'est génial! Ça veut dire qu'on va faire sortir papa de prison et tout retrouver un avant. On n'a plus qu'à trouver un avocat. Je crois pouvoir y remédier. Toi? Tu sais où il y en a un? Et comment sais-tu? Et que fais-tu ici? C'est un petit oiseau qui me l'a dit. Depuis tout ce temps, va réellement falloir que je le chope, ces pièces. Ah! Papa, t'es sorti déjà! C'est ma poumée! Et c'est qui, lui? Les filles! Youhou! Les pétasses! C'est nous, et on est carrément de retour! Qu'est-ce qu'on dit, hein, ces amis de toujours? C'est bon, monsieur l'agent, vous pouvez disposer. Une limousine arrive. Vous! Blondie sur la platine, faites spinner le week-end.